Vous êtes parti il y a 3 mois sur ce petit bateau là. Oui, alors celui-là il est déjà assez gros parce qu'on peut mettre 19 plongeurs dessus, donc ouais. C'est notre outil de travail de l'été, j'allais dire. Et puis voilà, on amène les gens, des débutants ou confirmés, faire des plongées sur cette zone. Et l'idée c'est d'aller faire une petite plongée pour repérer un peu l'état du milieu. Donc on a des espèces que l'on suit particulièrement dans la zone, des poissons sur lesquels on est un petit peu habitué à travailler. Et puis on en profite pour ramasser les déchets, tout d'accord. Simplement. Où êtes-vous allé exactement? Alors là, ce jour-là, on a fait deux sites. On a fait un site qui n'est pas très loin, juste à côté de Saint-Pierre, qui est une petite épave qui se trouve à peu près à 400-500 mètres du bord. Ouais. Et puis qui est à peu près sur 6 mètres de profondeur. On aime bien aller sur ce site parce qu'il y a tous les poissons emblématiques un peu de Méditerranée. D'accord. On a beaucoup de sards, par exemple, on a du congre, on a aussi pas mal de pieuvres. Voilà, on peut avoir pas mal de petits poissons assez courants dans cette zone. Puis après, on est revenu juste derrière, là, sur la digue qu'on a juste au bord. D'accord. Donc là, on y vient assez souvent aussi parce qu'on a une population de cygnates. C'est des poissons cousins des hippocampes. Oui. Et l'été, ils se reproduisent sur cette zone. On a les femelles et les mâles. Et donc, on surveille un petit peu que la population soit stable et qu'il n'y ait pas trop de soucis. En plus, c'est une zone qui est sensible pour les déchets parce qu'on est très près du bord. On oui. a la plage qui est juste à côté. Donc, oui. L'été, il y a la population touristique. Hein. Oui. On peut avoir aussi des pêcheurs qui s'installent la nuit pour plonger sur cette digue. Et elle fait un peu barrage au vent et au courant. Donc, souvent, les déchets se trouvent bloqués sur cette zone. Tu fais attention, Yann, en nettoyant. Il y a beaucoup de déchets dans les herbiers, mais tu sais qu'il y a beaucoup de cygnates aussi. Donc essayez de les déranger le moins possible, quoi. Nous, notre truc en principe, c'est de suivre les poissons, pas les déchets plastiques, hein. Mais bon, maintenant on fait les deux. Voilà, tu vas à la digue. Tu suis la lisière en bas. Ce qui est intéressant sur cette zone, c'est que c'est vraiment ça canalise tous les déchets. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de courants qui finissent là. Ouais. Et donc tous les déchets, entre guillemets, arrivent là. Tous, quel que oui. soit leur volume, leur poids et autres. Oui. D'accord. Et on va, c'est quasiment un nettoyage systématique sur cette zone-là. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'on va plonger dans cette zone-là, on prépare des sacs filets parce qu'on sait qu'a priori, on devrait ramasser malheureusement d'accord. des déchets. Grand malheureusement, comme d'habitude, donc c'est une zone où on va beaucoup avoir de plastique alimentaire lié à l'alimentation. Donc les pots de yaourt, les gourdes de compote, les barquettes de salade individuelles. Ouais. Donc ça, c'est récurrent, des sacs plastiques. Il y en a encore, hein, malgré tout, il y en a encore. On a beaucoup de plastique qu'on ne peut pas déterminer, parce qu'en fait, c'est des fragments de plastique, des petits morceaux. Et là, c'est difficile à déterminer l'origine. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On ramasse que les plus gros, les en plus fait. Gros, hein. Ouais. Après, les plus petites, de toute façon, sous l'eau, en plus, c'est compliqué techniquement ouais. parce qu'il y a un peu de courant, la visibilité n'est pas très bonne. Souvent, ça se prend dans les algues, ça se prend dans les... Il y a des oursins, ça peut même se prendre... Les oursins, les déchets viennent sur les oursins. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, souvent, dès qu'on commence à les retirer, à vouloir tirer un peu dessus, ça se désagrège. Ouais. Donc, vraiment, ce qu'on ramasse, c'est vraiment ce qui est le plus consistant et le plus gros. Tout le reste, malheureusement, on n'arrive pas à l'attraper. D'accord. Le problème de cette zone, c'est qu'elle subit un fort ensablement oui. de 1 ou 2 mètres par an. C'est-à-dire que c'est une zone où on peut avoir 2 mètres de sable et l'année d'après, ces 2 mètres de sable ont disparu. Donc il y a des déchets, si on ne les enlève pas de suite, ils peuvent être recouverts par le sable pendant plusieurs années et on les redécouvre plus tard. D'accord. Malheureusement, quand ils sont pris dans le sable, pour les enlever, c'est quasiment impossible. Nous, on
ramasse en tant que plongeur, on est limité en profondeur. Hein. Ouais. Donc nous, la plongée à l'air, c'est limité à 60 mètres. Donc de toute façon, on ne peut pas aller au-delà. Sur certains plongeurs expérimentés, ils peuvent descendre dans la zone des 100 mètres. Ouais. Mais ce n'est pas très courant, c'est plutôt très rare. Et les contraintes font que s'ils y vont, c'est certainement pas pour ramasser des déchets. Bien sûr. Après, il faudrait faire de la prospection via drone sous-marin. Bon bah, bonne récolte, malheureusement. Toi, tu es biologiste de formation ? Oui, moi j'ai des études, j'ai un master en océanographie biologique et après je suis enseignante en sciences de la vie et de la terre. Donc voilà, donc, c'est alors, toute ma vie. Qu'est-ce que tu enseignes aux jeunes alors ? Les rouges. Face à ces déchets ? C'est compliqué parce que les discours théoriques et les cours, ça se passe très bien. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Je donne un exemple très simple. Je suis dans un lycée. On enseigne hein, l'écologie, la citoyenneté, tout ça on l'enseigne et le discours passe très bien. Vous sortez du lycée, il n'y a pas de bac de recyclage. Entre le lycée et l'arrêt de bus, donc où tous les élèves passent, il n'y a pas de bac de recyclage. Il y a trois pauvres petites poubelles, de rien du tout. Et les jeunes évidemment ils consomment des canettes de coca, des bouteilles de soda. Et donc ils ont trois pauvres poubelles à disposition qui au bout d'une demi-journée débordent. Et du coup, bah, vous avez les canettes et les bouteilles qui sont au pied des poubelles. Et voilà, ça reste comme ça. Voilà. Donc, donc, ne serait-ce qu'installer des bacs de recyclage juste à côté d'un lycée, ce serait du bon sens. Voilà. On a envie de voir des poissons, on a envie de voir des choses colorées. On n'y va certainement pas pour se retrouver avec des poubelles au fond de l'eau. Malheureusement, donc, il y a un impact déjà un peu... désagréable quand on arrive sur zone et qu'on se retrouve avec autant de plastique que de poissons. Ouais. Il y a un ratio qui n'est pas normal et on ne descend pas sous l'eau pour ça. Contraint et forcé, mais on est obligé de les ramasser, ces déchets, on peut difficilement faire autrement parce que c'est notre lieu d'exercice. Ouais. On est là assez souvent. Et puis, c'est votre maison en fait. Ouais, c'est notre deuxième maison, donc même si on n'est pas chez nous, mais c'est encore pire parce que justement on a l'impression d'être invité dans un lieu et en fait c'est d'autres personnes qui viennent déverser les poubelles chez ces gens qui ont la gentillesse de nous inviter et qui n'ont rien demandé à personne. Donc nous la moindre des choses c'est bah, nettoyer ce milieu. C'est une démarche qui nous paraît tellement normale. On profite visuellement de ce lieu, on essaye de le connaître, on veut le préserver, on veut faire en sorte qu'il y ait des poissons le plus longtemps possible. Ouais. On est obligé de les ramasser parce que le souci de ces plastiques, alors on le voit nous avec les cinq nattes, eux ils ont l'impression que ça leur fait un habitat comme un autre. Ils n'ont pas conscience de ce que c'est, ils n'ont pas conscience que le plastique il va se désagréger, ça va devenir du microplastique. Eux, c'est des filtreurs, donc ils filtrent l'eau et ils vont se retrouver à devoir filtrer ces microplastiques et à les ingérer en pensant que c'est de la crevette, quoi. Ouais, c'est fragile et on ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment les conséquences que ça aura à long terme sur eux. Et c'est pour ça que nous aussi, on les surveille, on essaye de voir ce que ça peut donner. Au lieu d'être plongeur à consommateur, plongeur acteur, oui. Actrice, oui. De... Il faut faire un relais. Ouais, un relais. Un relais parce que qui le fera si ce n'est pas nous ? Enfin, les gens qui ne plongent pas, ils ne vont pas le faire. Ouais. Les politiques, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui plongent non plus, donc je sais pas s'ils vont s'y intéresser non plus. Donc à un moment donné, il y en a sûrement parmi eux qui plongent. Oui, peut-être, mais peut-être pas tant que ça, j'en sais rien. Donc si c'est pas nous qui le faisons, je vois pas qui va s'en occuper, quoi. T'as les deux conteneurs juste à côté là. Ok. Tu les mets aux poubelles, merci.